Oui, ben bonsoir, donc de nouveau. Ouais, si. Je suis plus à mon avantage sur l'estrade. Bon, donc de nouveau bonsoir à la salle et puis bonsoir à ceux qui nous suivent à distance. Juste un petit mot de nouveau pour les étudiants qui souhaitent valider ce cycle de conférences. Amandine et moi, on attend les derniers retardataires pour le choix des questions pour constituer les groupes. Pour rappel, hein, l'objectif du travail des groupes, ce n'est pas de s'assurer que vous avez bien suivi toutes les conférences, c'est de vous travailler à ce moment-là entre étudiants de plusieurs établissements de manière à ce que vous croisiez un petit peu vos regards. Donc c'est l'objectif principal. Donc voilà, n'ayez crainte, ce n'est pas un acte de police de notre part. Donc merci de répondre rapidement parce qu'après, il y a un jeu de construction des groupes qui n'est pas forcément très très simple. Donc cela étant dit, j'ai le plaisir de recevoir, et nous aussi, deux conférencières à ce moment-là qui nous viennent d'un laboratoire à ce moment-là qui s'appelle ICAR. De ce que j'ai compris de ce laboratoire, c'est un peu loin, éloigné de mes thématiques de recherche. Elles vont vous parler interaction, interaction sociale et langage, c'est juste. Donc ben, comme d'habitude, là il y aura une conférence à deux voix et puis un temps à ce moment-là de paroles et d'échanges sur la fin. Donc encore merci et puis bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, pour commencer cette session de cours à deux voix, je vais commencer la première partie. Donc, moi, c'est Isabelle Colombe-Carvajal. Donc, pour vous parler de la dynamique émotionnelle en interaction. Dans le descriptif, il était annoncé deux questions principales. Comment la linguistique interactionnelle et l'analyse des interactions sociales étudient les émotions des individus présentes dans les conversations privées ou professionnelles? Et la deuxième question qui était, quelle est la perspective des sciences cognitives pour rendre compte de l'émergence de certains phénomènes socio-cognitifs à partir de marqueurs micro-comportementaux ou langagiers? Donc voilà, j'ai mis des mots-clés en rouge pour indiquer un peu les notions, enfin les domaines, les disciplines importantes dont on va parler aujourd'hui et pour situer un peu notre champ de travail au laboratoire ICAR. Donc petit préambule disciplinaire au cas où si ces disciplines-là sont un peu inconnues pour vous. Il faut savoir que notamment l'analyse des conversations, la pragmatique, les interactions verbales et la sociolinguistique interactionnelle également font partie de disciplines, de spécialités qui font partie des sciences du langage. Donc, je ne sais pas si ça parle à certains, ces spécialités-là, à côté de d'autres disciplines que je vous ai indiquées en bleu. Mais voilà, ça fait partie de l'étude du langage, de la linguistique, et nous particulièrement de l'oral, du langage à l'oral, en interaction, en conversation. Moi, je vais faire une première présentation plutôt sur l'aspect analyse des conversations sociales. Puis ma collègue Christine Loun vous présentera des travaux actuels sur les émotions, plus d'un point de vue des sciences cognitives, plus précisément. Toujours sur le préambule disciplinaire, donc je vous ai resitué quelques auteurs clés qui ont travaillé et développé certaines spécialités dont je vous ai listé précédemment quelques courants. Donc on retrouve les interactions verbales de Carbatore-Chioni, de Véronique Traverso. Ça comporte aussi tout ce qui concerne les théories de l'énonciation de Benveniste, les théories des actes de langage de Searle, l'ethnographie de la communication de Himes, la sociolinguistique interactionnelle de Gompertz, mais également la microsociologie de Goffman et encore plus récemment donc l'ethnométhodologie de Garfinkel et l'analyse conversationnelle qui ont été développées par Sack, Chegloff et Jefferson, et très récemment dans les années 90, plus la linguistique interactionnelle qui s'intéresse plus à la grammaire en interaction orale de Hopper et de Cooper-Collen et de Selting. Donc c'est pour vous situer un peu dans quoi on va baigner ce soir autour du langage, du langage en interaction à l'oral et des émotions en interaction orale et sociale. Donc là, pour resituer ces disciplines-là, c'est un autre schéma qui reprend un peu ce que j'ai cité dans la diapo précédente, mais pour vous expliquer qu'il y a différents courants qui viennent de la psychologie, de l'anthropologie, de la linguistique ou de la sociologie, et qui convergent en fait vers l'étude des interactions sociales de manière générale, avec des théories, des courants et des approches complémentaires, différentes, mais voilà, on se rejoint sur un objet qui est l'interaction sociale. Donc moi ce soir je vais plus vous parler d'un point de vue donc analyse des conversations notamment.
Pour vous resituer, si vous ne connaissez pas bien ce champ, plus précisément de l'analyse conversationnelle, qui est ma spécialité, donc c'est un courant qui vient de la sociologie nord-américaine, qui a été développée dans les années 60-70, et qui étudie en fait les mécanismes et l'organisation de la conversation dans le monde social. J'ai rappelé les fondateurs de ce courant-là, donc Harvey Sachs, qui est sociologue, Emmanuel Chegloff aussi, qui est sociologue et sociolinguiste, et Gail Jefferson, qui est linguiste et sociologue. Donc l'objectif principal, c'est de modéliser les interactions de la conversation pour prouver que cette dernière est ordonnée, c'est un peu notre travail, et de manière située dans des situations réelles, des conversations réelles et spontanées qui peuvent relever du milieu public ou privé. Il faut savoir que ce courant-là est inspiré de l'ethnométhodologie, qui est fondée par Garfinkel, où c'est un courant de la sociologie également qui étudie les normes, les pratiques sociales, et qui considère en fait l'ordre social comme un accomplissement qui est méthodique, et c'est ça qu'on essaye de décrire quand on analyse des conversations assez finement, et je vous verrai quelques exemples par la suite autour de l'émotion, mais c'était important de recontextualiser quand même notre approche pour vous montrer ensuite ce qu'on fait. D'un point de vue des méthodes, et pour que vous compreniez sur quel type d'objet on travaille, sur quel matériel on travaille, pour analyser les émotions en interaction, donc on fait des recueils de données audiovisuelles, authentiques, on fait signer des formulaires d'autorisation par les participants, bien sûr, on anonymise les données, on enlève tout ce qui est information à caractère privé, nom, prénom, et on fait de la retranscription, de la transcription écrite de ce qui a été dit à l'oral, tour par tour. Donc nous, on ne parle pas en termes de phrases, mais plutôt en termes de tours. Mais on va aussi noter tous les phénomènes vocaux-verbaux, ça c'est important pour la suite, les silences, les allongements d'une syllabe, les chevauchements quand deux personnes parlent en même temps, les intonations montantes ou descendantes quand on s'interrompt dans son tour. Encore plus près, ok. Et donc, on note aussi les phénomènes qui sont non-vocaux-verbaux, tout ce qui est lié aux gestes, aux regards, aux actions, aux postures, qui se passe au moment où on est en train d'interagir avec ses interlocuteurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue non-verbal. Ensuite, on fait des analyses d'extraits. On peut faire également des analyses qualitatives ou quantitatives. Donc, pour vous montrer quelques exemples de notre matériel de travail, vous voyez des exemples de transcription avec des symboles un peu bizarres, mais qui permettent de noter les allongements, les deux points, les slash, c'est les intonations, des choses comme ça. Et donc là, j'ai fait une sélection d'extraits qui étaient liés à de l'émotion en interaction. Je vais vous jouer rapidement quelques extraits, parce que par la suite, je vais plus vous faire une grosse revue de littérature, de travaux qui ont été faits sur les émotions en interaction au laboratoire ICAR. Mais là, c'était plus pour vous contextualiser, vous montrer un peu qu'est-ce qu'on regarde comme type d'extrait pour analyser les émotions en interaction. Donc le premier corpus, c'est un extrait d'interaction entre infirmiers dans un service psychiatrique qui parle sur les relèves de patients. Donc juste pour vous jouer l'extrait. Son retour, il a dit qu'il a eu pas mal d'angoisse là dans la nuit chez lui, avec des idées de mort imminente. On n'entend pas très bien, mais bon, voilà, c'est un discours rapporté sur un patient qui parlait de ses angoisses. Notamment, on a un deuxième extrait qui est des histoires racontées par des enfants. Et donc là, il va thématiser, il va parler de la peur, qu'est-ce que c'est d'avoir les jetons. Donc je vous joue l'extrait pour... Accroché par deux mousquetons, et quand on se bat dans les arbres et tout, maman, en fait, il y a toujours un sol quoi, pour poser les pieds. À un moment, j'ai dérapé, je me suis retrouvée à 20 mètres de haut, accroché dans le vide comme ça. Mm-hmm. Là, j'ai eu les jetons. T'as eu les jetons ? Oui. C'est quoi les jetons ? Avoir les jetons, c'est avoir peur. D'accord. Est-ce que t'avais le vertige ? Oui. Puis en plus, les mousquetons, j'ai trouvé que c'était du mauvais matos. Ah, et oui. S'ils cédaient à un moment, je tomberais de 20 mètres et je serais pas là pour vous l'expliquer. Pour vous l'expliquer. L'autre exemple, là, c'est plus une émotion positive. Donc, exprimer qu'elle était contente. Je vais jouer l'extrait un peu plus rapidement. C'est une conversation familière, une visite d'une personne chez ses amis. Simplement. Pas très clair, hein ? Ouais. Je suis allée acheter du voyage, puisque vous voulez. On m'entend pas très bien. Tu l'achètes où ? Je vais faire. La vie en va ? Ouais. Mais tu vas juste faire acheter du voyage ? Mais tes parents en même.
Alors, elle tient quoi la campagne? Oh non, non. Ouais, mais là, je suis pas contente. Y aller? Pas encore, mais je sais pas. On n'entend pas très bien, mais donc elle est en train de dire qu'elle allait acheter un grillage. À un moment, elle parle de quelqu'un qui était avec elle. Elle tient le coup à la campagne. Oui, oui, je crois. Elle a l'air vachement contente d'être là, etc. Donc nous, c'est voilà. On va regarder d'un point de vue linguistique et lexical ces éléments-là. Un autre extrait que je ne vais pas jouer pour avancer. Donc là, ça concerne plutôt l'angoisse. Ça concerne des concours, le passage de concours. J'ai pas encore les dates. C'est trop tôt. Oh là là, ça m'angoisse. C'est chaud les concours. Ils prennent combien de personnes, etc. Donc elle vient parler de son angoisse du concours. Donc voilà pour situer un peu. Donc nous, c'est vraiment notre objet de travail. On travaille sur ce genre de transcription où on a le discours en interaction et on va regarder tout ce qui se passe d'un point de vue verbal et non-verbal. Donc là, je n'ai pas de choses non-verbales, mais c'est pour vous expliquer un peu notre matériel. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre en avant, mettre en lumière certains travaux majeurs qui ont été faits au laboratoire ICAR sur les émotions en interaction. Donc là, vous avez un petit résumé de ces publications majeures. Et moi, je vais notamment parler des travaux de Jacques Cosnier et de Christian Plantin pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres travaux qui sont faits aussi d'un point de vue analyse de texte journalistique, donc les émotions argumentées dans les médias. Mais voilà, analyse lexicale de ces éléments-là. Et Chris vous parlera des deux derniers éléments, notamment donc, avec les travaux menés avec Mathieu Quignard, et notamment en fait. Donc je ne développe pas ici. Donc pour parler des travaux de Jacques Cosnier sur la psychologie des émotions, donc déjà, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Cosnier, les travaux de Jacques Cosnier, pour resituer son travail et son parcours. Donc voilà, il a un parcours assez riche que vous pouvez voir sur la diapositive. Juste qu'il faut retenir qu'il est donc devenu professeur de psychologie des communications en 80 et que ses objets de recherche portaient sur l'éthologie, la communication non verbale, l'interaction et le langage. Donc il a été dans différents laboratoires et historiquement il a créé le groupe de recherche sur les interactions communicatives avec Kerr, Bratt, Oreikony à l'époque, et ce groupe là est devenu avec une fusion le laboratoire interaction corpus apprentissage et représentation dont on fait partie avec Chris. Donc il a été directeur du GRIC et ensuite membre du laboratoire ICAR où il a développé ses recherches. Donc ses travaux sur les émotions, il a participé au début des années 80 à une recherche européenne sur les émotions dans la vie quotidienne, et ses préoccupations scientifiques allaient alors dans ce sens. Et comme il dit, l'interactionnel pose le problème de l'intersubjectif, et l'intersubjectif ne peut faire l'économie de la prise en compte de l'affectif. Donc la recherche européenne qu'il a développée à ce moment-là ont donné différents résultats qui ont été publiés dans un ouvrage. Et ces résultats ont donné un certain nombre d'informations sur quatre types d'émotions: la peur, la tristesse, la joie et la colère. Pour cette recherche, ils ont utilisé des questionnaires choisis en raison de la facilité de la réalisation de l'enquête. Mais comme le dit Cosnier, cette méthodologie est finalement bien peu éthologique de son point de vue, puisqu'elle recueille des paroles au sujet de quelque chose, et non des observations qui sont directement observables sur les comportements vécus dans un moment situé. Et ça, c'est une perspective que lui, il essaye de développer, la perspective éto-anthropologique. Donc il s'est particulièrement centré sur deux aspects dans l'analyse des interactions situées. C'est d'analyser le rôle des éprouvés affectifs dans le déroulement des interactions et le mécanisme des processus empathiques qui est apparu de plus en plus fondamental dans la compréhension des déroulements des interactions. Donc à partir de ses études, il a commencé avec l'éthologie des interactions animales, il est arrivé dans les années 80 à l'étude de l'empathie interactionnelle et avait après 50 ans de recherche et de pratique en éthologie de la communication. Donc autrement dit, en partant de l'empathie, de l'éthologie objectiviste, pardon, il est arrivé sur une éthologie qui, tout en restant objective, est devenue une éthologie compréhensive. Et c'est ainsi qu'il a publié son ouvrage « La psychologie des sentiments et des émotions » en 1994, qui a fait l'état d'une première approche sur cette question-là.
Ici, je vous ai listé une sélection d'articles de ces différents travaux sur les émotions en interaction. Et je vais vous faire une lecture un peu plus détaillée de trois articles. Donc, dans son article de 87, il travaille sur les expressions et la régulation des émotions en interaction. Et on va revenir en détail sur les résultats du questionnaire qu'ils ont mené dans l'enquête. Puis, il va aborder en fait, la question de l'émotion dans une approche plus analytique, plus micro-analytique, dans l'interaction conversationnelle, et pour essayer d'analyser le statut de l'affect en interaction. Donc là, il va poser deux voies qui sont possibles, soit la voie objective, l'approche objective, soit l'approche subjective. Donc l'approche objective, c'est une approche qui va justement travailler sur des corpus enregistrés. Et Cosnier va interroger sur le fait que sans le recours à des indices physiologiques, comment le conversationnaliste peut-il aborder l'aspect des affectifs, de l'affectif dans l'interaction ? Et à cela, il va répondre que c'est possible en se basant sur trois types de paramètres qui sont à sa portée du chercheur, les paramètres verbaux, les paramètres vocaux et les paramètres gestuels. Donc selon lui, il serait banal en fait, d'insister sur le fait que la survenue d'une phase émotionnelle peut se déduire des indices vocaux, des troubles de la chaîne verbale, des modifications comportementales, mimiques, postures et gestuelles. Pour compléter ses propos sur l'approche objective, Cosnier va ajouter deux remarques. L'une porte sur le rôle de la gestualité et de l'émotion en interaction. Il explique qu'on ne peut pas parler sans bouger, on ne bouge pas n'importe comment, mais en accord avec des codes culturels, qu'une bonne partie de la gestualité, et en particulier les gestes paraverbaux, les changements de posture, les gestes auto-centrés, est plus utile au locuteur qu'au récepteur, et que cette gestualité énonciative a donc d'autres fonctions que de transmettre un message. Et ces fonctions, selon lui, sont très probablement la facilitation cognitive et la maîtrise émotionnelle. L'autre remarque qu'il fait sur l'approche objective, c'est les mimiques et une réflexion sur les mimiques et les mimiques expressives et régulatrices. Donc, il explique que les mimiques faciales sont en principe l'indice le plus significatif de la présence, de la nature et de l'intensité de l'état émotionnel, mais que cependant, les mimiques peuvent être très facilement décontextualisées, que les expressions de dégoût, de colère, de surprise, de satisfaction peuvent être réalisées sans être dans une réelle situation de colère ou de surprise. On peut jouer la colère. Il dit aussi qu'au cours des interactions conversationnelles, une mimique expressive émotionnelle n'est pas forcément liée à une phase affective du locuteur, mais peut seulement connoter le contenu du discours, servir de signe métacommunicatif, indiquant l'attitude à prendre vis-à-vis du discours. Et enfin, il explique que sur ces mimiques faciales assurent très fréquemment des fonctions autres que l'expression du vécu affectif et existentiel. Dans un autre article de 86 sur la parole comme régulateur émotionnel, il va introduire la notion d'organisation verbo-viscéro-motrice. Bon. Qu'est-ce que ça signifie il se base en fait sur les... Il reprend ça de Watson en 26, quand Watson dit « Quand un individu réagit à un objet ou à une situation, son corps entier va réagir. Pour nous, cela signifie que l'organisation manuelle, l'organisation verbale et l'organisation viscérale fonctionnent ensemble chaque fois que le corps réagit en interaction. Ces trois formes d'organisation ne peuvent fonctionner ensemble en se suppléant mutuellement que si elles existent simultanément comme des parties d'une organisation intégrale et totale. Donc, ainsi, en fait, Cosnier va expliquer qu'en situation d'interaction, chaque individu va utiliser ce qu'il appelle des patterns réactionnels qui lui sont propres, certains avec une dominance verbo-motrice, d'autres avec des essentiellement verbales, d'autres verbo-végétatives. Et donc, il apparaît que la valeur réductrice ou régulatrice de la parole va varier selon les individus, mais que pour chacun, on peut décrire des stratégies parolières, des modalités régulatrices relativement constantes.
Dans un troisième article que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celui où il aborde les deux voies de la communication de l'émotion. La première voie, il explique que c'est la voie langagière. La voie langagière, en fait, ici, il va faire référence simplement aux travaux initiaux de Saussure et de la Fondation de la linguistique contemporaine, où en fait, il y a le langage qui est décrit comme faire de signes arbitraires, porteurs de signification et de valeur. À cela, Chomsky va ajouter qu'une grammaire universelle et modalisable selon les communautés langagières permettait à chaque individu compétent de générer et de comprendre une infinité de messages utilisant ses signes et ses règles. Du coup, Kosnick synthétise en disant que la voie langagière est finalement une linguistique de code et où l'émetteur parleur va produire un énoncé composite dont les différents signes sont offerts au calcul interprétatif du receveur, écouteur, interlocuteur. Mais du coup, suite à cette première voie de langagière, il va s'interroger sur le rapport que ces rappels signifiants, signifiés, arbitraires du signe ont-ils avec les émotions qui nous occupent aujourd'hui dans l'interaction verbale. À cette question, il va répondre les éléments suivants. Le fait que les paroles sont susceptibles d'exprimer des émotions, d'en provoquer, et que la parole seulement peut-elle exprimer des émotions, en provoquer, donc, sans jamais être associée finalement à des indices vocaux et gestuels. Il répond que oui, et il prend l'exemple des textes écrits justement dans les romans, en disant que les romans racontent des histoires tristes, gaies, comiques, tragiques. Et il prend aussi la comparaison avec les textes d'aujourd'hui, des correspondances électroniques, mail, SMS, où on peut véhiculer des émotions juste à partir du texte, sans indice gestuel. Pour Cosnier, le code linguistique, même dans sa forme pure, qui est la forme écrite, est parfaitement capable de provoquer des émotions, et que ça marche sans voix, sans gestes, mais ça marche encore mieux quand il y a des gestes et des éléments vocaux. Donc, dans son texte sur les deux voies de la communication, toujours, il va faire une sorte de synthèse sur les différentes fonctions multiples des gestes. J'y reviens pas dessus, on n'a pas le temps aujourd'hui. Il va expliquer que les gestes sont des éléments signifiants qui s'associent aux signes linguistiques et vocaux pour donner un énoncé langagier hétérogène, ce qu'il appelle aussi to-texte. Donc là, il faudrait voir l'article pour plus de détails, et fait de texte, donc de verbal, et de co-texte, de gestuel et de vocal. Donc ça, c'est la terminologie qu'il met en place et qui sont encore aujourd'hui utilisées dans de nombreux travaux. Et donc ce langage est parfaitement capable d'exprimer, de provoquer des émotions selon un processus général, ce qu'il appelle d'encodage et de décodage pour renvoyer à la voix de langagière. Donc les signes gestuels les plus aptes à transmettre des informations affectives, il explique que c'est plutôt les expressifs faciaux et les postures des personnes. Et en fait, il explique aussi que ce tableau d'échange d'énoncés paraît aujourd'hui plutôt simpliste, et va nécessiter des rectifications et des ajouts, ce qui l'amène à introduire la notion de la voie de la communication interpersonnelle. Donc c'est la seconde voie qu'il propose, où en fait ici on a des activités gestuelles de l'énonciateur, il prend en compte le corps de l'énonciateur et ce travail d'autorégulation, donc il fait encore référence à Watson, il explique qu'il y a une mise en corps qui est utile pour le travail énonciatif du sujet en interaction et que c'est important pour son partenaire, pour son interlocuteur. Donc il va aussi introduire une notion qui peut vous parler. Donc dans la notion de d'écoïsation, à l'activité énonciative correspond une activité dénonciative faite par l'interlocuteur qui ne se réduit pas au simple décodage de signaux, mais une utilisation écoïsante du corps qui permettra ce que l'on peut appeler une empathie inférentielle. Toujours dans cet article, il va également introduire une notion sur... Il va ajouter des arguments en fait sur une hypothèse qu'il a introduite sur l'hypothèse de l'analyseur corporel. Le fait que le premier argument va tenir compte des observations d'interaction en face à face, qui permettent finalement de localiser des moments d'accordage entre les interlocuteurs.
de constater des fréquentes échoïsations, de mise en écho corporelle, des sourires réciproques, des changements de posture qui se font un peu en écho. Il va se baser aussi sur trois références, sur trois travaux, trois études, trois expériences qui ont été menées précédemment. Donc les travaux notamment de Bonnet en 2000 sur les mimiques de l'interprète. En fait, il y avait une expérience où on demandait à des sujets d'imaginer les paroles d'un personnage présenté dans une série de photographies. Et on observe en fait qu'il va reproduire, des postures faites sur ces photographies au moment d'interpréter ces photos. L'autre étude, c'est celle de Jeannereau en 91 sur des données neurophysiologiques où on essaye d'observer un sujet en mouvement et de voir en fait que le cerveau de l'observateur présente des activités analogues à celles qu'il aurait réalisées lui-même s'il avait réalisé cette activité motrice. Et le troisième travail sur lequel il se base, c'est les travaux de Hadfield et collaborateurs en 94 sur des phénomènes de contagion affective de groupe et particulièrement de foule. Donc ainsi, Cosnier va conclure son travail en expliquant que tout se passe comme si on utilisait son propre corps en miroir du corps du partenaire, et que cette imitation, cette identification, échoïsation, que lui préfère ce terme-là, servent à de sources, à des représentations et à des affects tenus pour analogues à ceux du partenaire. L'intériorisation ou la corporalisation serait la base des inférences empathiques, selon Cosnier. Donc, pour terminer sur les travaux de Cosnier, je vous ai mis le lien de sa page de publication que vous pouvez trouver facilement sur le site du laboratoire ICAR. Il a mis à disposition une grande quantité de travaux qu'il a publiés et que vous pouvez aller regarder librement. Pour continuer sur la présentation, j'ai voulu vous présenter aussi un très bref élément de bibliographie sur les travaux de Christian Plantin, qui a été aussi un auteur en tout cas de référence pour nous dans le domaine. Donc je rappelle qui était Christian Plantin si vous ne le connaissez pas. Il a notamment été directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la linguistique, spécialisé dans l'argumentation, les émotions, la pragmatique et les interactions. Il a dirigé le GRIC dont je vous ai parlé, où était Jacques Cosnier aussi à l'époque, et il a été directeur du laboratoire ICAR. Donc ses travaux portent sur les émotions, portent notamment sur les émotions signifiées et affichées et les émotions vécues, les expressions, énonciations de l'émotion, la pragmatique des émotions, la gestion des émotions en interaction, les termes. Il a beaucoup travaillé sur les termes, les énoncés d'émotions. Je vais vous en montrer quelques exemples. Le travail de reconstruction d'émotions, quand on parle d'expression directe ou indirecte d'une émotion, dans un récit notamment, et la détermination des paramètres situationnels et des paramètres du locuteur, pour résumer. Donc, il a publié un premier ouvrage sur les émotions en interaction en 2000. Je vous ai juste listé, je vais passer vite, sur les 18 chapitres de cet ouvrage. Vous pourrez voir, donc j'ai mis juste en rouge les travaux qui ont été publiés dans cet ouvrage collectif par des personnes du laboratoire ICAR. Mais voilà, tous ces chapitres sont très intéressants à lire. Ils tournent autour du langage et de l'émotion en interaction. Donc, je passe là-dessus. Premier point sur les termes des émotions. Il y a une grosse tradition qui est faite de faire des listes sur les émotions d'un point de vue rhétorique, philosophique, théologique, psychologique ou linguistique. Donc il explique qu'un terme d'émotion est un terme figurant dans une liste de termes d'émotions. Donc là, il évoque les travaux de Galati et Sini en 2000 où ces auteurs ont référencé 143 termes d'émotion sélectionnés à partir du dictionnaire du Petit Robert par des locuteurs français natifs sur la base de trois critères, à savoir les termes qui doivent référer à des conditions internes et mentales, que les termes doivent impliquer un état mental transitoire et que ces termes doivent porter sur des aspects affectifs, bien qu'ils puissent également faire référence à la cognition, au comportement, au changement physiologique et expressif qui accompagne les émotions. Donc, vous voyez peut-être pas très bien, peut-être ça sera mieux sur l'écran à distance, mais là c'est une capture d'écran des 143 termes, sachant que les petits t qui se trouvent au-dessus de certains mots, c'est juste qu'ils ont pris en compte aussi les déclinaisons des mots en adverbes, donc abattement, accablement, accable, accablement, etc.
Donc ça, c'est voilà, une première, pareil, une brève synthèse sur ce fait de travailler sur des listes de termes, d'émotions, et sur lesquelles on va faire des analyses comparatives dans différentes langues aussi. Christian Plantin a travaillé sur les émotions en espagnol également. Il a fait tout un listing de termes d'émotions en espagnol, et il compare en français, en espagnol, en portugais, dans d'autres langues. Et il fait ce travail-là un peu de comparaison et d'utilisation de ces termes-là dans l'interaction. Je vais parler aussi donc d'une partie de ses travaux où il évoque l'émotion comme, il compare ça à un syndrome et à un flux. Il introduit la notion d'émotion émergente ou d'émotion persistante. Il va distinguer deux types de signification du verbe émerger pour mieux comprendre ce qu'il entend par émotion émergente et persistante. Il dit qu'il y a le fait que émerger, le sens 1 d'émerger, signifierait de naître, de s'élever, de se manifester, et que le sens premier d'émerger est un coative qui se manifeste à la suite d'un véritable mouvement ascendant, et il fait référence en fait au début d'un processus qui va conduire à émerger et à émerger au sens 2. Donc ça c'est pour le premier point. Le sens 2 d'émerger qu'il introduit, ça va signifier finalement de surgir d'un, ce qu'il appelle d'un fluide enveloppant, ou comme s'il en sortait, sortir à la vue. Et en fait, tout simplement, il faut comprendre que ce deuxième sens de émerger, c'est un sens résultatif suite à un processus. Donc le premier, c'est au début, et le deuxième va être suite à quelque chose. Donc les émotions émergentes, au sens premier du verbe émerger, seraient des émotions in statu nascendi, car elles apparaissent, elles se développent dans le flux du langage, en action et en interaction. Et que les émotions persistantes sont des émotions qui sont émergées, au deuxième sens d'émerger, se développant au-delà de la séquence émergente, au sens 1. Et du coup, les émotions qui sont évoquées, partagées, racontées, sont des émotions qui sont persistantes et qui sont bien connues de ceux qui les expérimentent. Il renommerait ces émotions-là persistantes comme des émotions, des ré-émotions, de ré-émotions, qu'elles sont rappelées. Je l'ai écrit deux fois, revécu. Donc ça c'est plus dans les récits, on va ressasser, on va raconter des émotions qui ont lieu par le passé par rapport aux émotions émergentes qui sont vraiment in situ, émergentes dans l'interaction en train d'être étudiées. Également il va introduire la notion de macro-émotion et de micro-émotion dans le langage, dans l'interaction. Pour lui, les émotions longues, les émotions mémorables sont à distinguer des émotions courtes, des micro-émotions, des petites émotions. Il se base sur les travaux de Robert Bouchard en 2000. Donc les émotions longues, dans un article de 2015, évoquent plutôt une émotion intense dont l'événement est associé, est exceptionnel, que l'émotion est thématisée, elle est mémorisée, elle est socialisée et racontée, que sa gestion de cette émotion longue est complexe et va impliquer plusieurs types d'actions. Elle est effectuée en discontinu au cours de différents épisodes, et la période de la gestion est longue aussi, plusieurs jours, voire plusieurs mois. Elle est restructurante en ce qu'elle affecte en fait le niveau thymique de l'expérienceur et qui ne récupère pas forcément son état de niveau thymique, donc de l'humeur antérieure. Ensuite, il va parler des émotions, des micro-émotions. Là, c'est plutôt des émotions typiquement associées à des interjections dans la vie courante. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une interjection qu'il a analysée comme une micro-émotion où ben voilà, l'insulte merde va être l'évocation d'une action contrariée dans l'interaction. Donc, je ne sais pas si on l'entend bien, celui-là. On va leur dire bonjour, et on va vous apporter. On va se faire un petit apéro. Hein? On va se faire un petit apéro. Ben, une pastis. Ah merde, y'a rien pour maman. Oh, ça fait rien. De l'eau. Non, de l'eau. Du gin, cette... De l'eau, fils de paix. Tu me feras bien plaisir. Est-ce que nous... Donc voilà pour l'extrait. Si on continue sur l'émotion émergente comme syndrome... Donc là, il fait une analogie, enfin, il prend en comparaison la notion de syndrome dans le domaine médical, qui est un phénomène complexe
un ensemble intégré de composantes entre lesquelles les relations sont problématiques. Le mot est emprunté donc au vocabulaire médical et il va désigner un ensemble de symptômes, de signes, sans cause spécifique que le malade est susceptible d'avoir en même temps lors de certaines maladies. Donc lui, il va parler du coup de syndrome émotionnel. Il va considérer l'émotion comme un syndrome affectant un individu avec les composantes qui sont les suivantes qu'il a repris aussi en partie de Scherer. Donc il y a un composant physique, neurophysiologique, des composants expressifs, on retrouve la voix, la face, la figure, le corps, les gestes, comme chez Cosnier, un composant comportemental et un composant cognitif. Donc lui, c'est ce qu'il implique, ce qu'il met dans les différents, pour définir et travailler sur le syndrome émotionnel. Il a également expliqué la notion d'émotion liée à l'humeur en faisant une comparaison avec une vague, une courbe émotionnelle. Donc il va introduire la figure suivante que je vous ai mis sur la diapo afin de représenter finalement l'émotion comme une variation locale de l'état d'excitation émotionnelle d'un expérienceur individuel par rapport à une tonalité de base, à une humeur de base, à un état initial que vous avez en bleu ici. Donc sur cette figuration, l'émotion va intervenir comme un épisode phasique se détachant sur un état de fond et qu'on peut considérer comme une humeur constante ou thymique. Et le niveau thymique d'un participant à une interaction dépend de sa constitution du moment, de son état du moment, du type d'action et d'interaction dans lequel il est engagé, et que donc où cette vague, cette courbe émotionnelle n'est pas symétrique, on peut le voir sur le schéma. La forme de la montée émotionnelle et celle de la descente n'est pas identique, ne sont pas liées entre elles. Et donc dans cet exemple, Plantin prend exemple sur les récits d'émotions qui débute fréquemment par une évocation d'un état de base sur un fond, duquel intervient un événement disruptif et qui est source de l'émotion. Ensuite, toujours à partir de cette vague émotionnelle, il va expliquer que dans les interactions, en fait, il y a une combinaison de manifestations interactionnelles avec des chevauchements, comme je l'ai dit, des intensités de la voix, des débits de la parole, qui peuvent être utilisés comme des critères caractérisant des moments émotionnels, des épisodes émotionnels qui peuvent être détectés automatiquement d'un point de vue informatique, numérique, en interaction. Et donc là, on renvoie notamment aux travaux de Mathieu Quignard et Chris va vous en parler plus en détail par la suite. Mais voilà, on peut voir du coup plusieurs vagues émotionnelles sur une durée temporelle plus longue. Et ça peut être informatiquement analysé et repéré automatiquement en se basant sur l'intonation de la voix, sur des chevauchements, sur le débit de la parole, etc. Quelques éléments complémentaires sur des traits définitionnels que Christian Plantin a proposés sur l'émotion. Il l'associe à une expérience, au sens de faire l'expérience d'une émotion. Donc l'émotion qui affecte et qui est menée par un expérienceur, donc lui va parler plutôt en expérienceur qu'en énonciateur. Jacques Cosnier parlait plutôt en termes d'énonciateur. Lui va parler en termes d'expérienceur, quelqu'un qui fait l'expérience de l'émotion. L'expérience est plus ou moins agréable ou désagréable. Elle est consciente du plaisir et du déplaisir. C'est une expérience temporellement limitée et l'émotion, du coup, comme on l'a montré juste avant, c'est un phénomène phasique et séquentiel. Que ce moment phasique se déroule dans un état de fond thymique. Et que cette expérience, elle est toujours située, en fait, que l'émotion est toujours liée à une situation donnée, qu'elle mobilise des ressources cognitives et des valeurs de l'expérienceur, que l'émotion est liée à une perception personnelle de la situation. Et le système cognitif ici est opérant en amont et en aval de ce moment d'émotion. Il explique que l'expérience est caractérisée par une modification de l'éthos corporel de l'expérienceur, la voix, mimique, posture et gestes, et que ces modifications, donc VPMG, c'est les modifications vocaux, mimo, posturo, gestuelles,
constitue un système qu'il appelle sémiotique, pour laquelle se communique et se partage l'émotion. Et enfin, l'émotion est une modalité spécifique de communication, d'action et d'interaction. La gestion éventuellement contrôlée et du décours émotionnel fait partie de l'état émotionné. C'est pour ça qu'on a pu voir dans son schéma que l'épisode émotionnel est très étendu entre le moment de l'ascension de l'émotion et sa descendance, mais l'épisode contient le début, le moment maximum et la fin. Et là, pour terminer sur les deux dernières diapos sur Christian Plantin, un autre élément qu'il introduit sur l'analyse de l'émotion en interaction, c'est les cadres de l'émotion. J'ai fait rapidement une synthèse, il faudrait aller vraiment le voir en détail, tous ses travaux là-dessus, mais il va prendre en compte qui fait l'expérience de l'émotion, quelle émotion et pourquoi, quelle est la source de l'émotion. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, par rapport à ce cadre-là, il va étendre ce cadre en intégrant ce qu'il appelle l'allocateur. Donc ça peut être une personne extérieure qui va attribuer des émotions à l'expérienceur. Donc ça arrive que dans l'interaction, on ne dise rien, mais qu'il y a des gens qui vous attribuent des émotions. Donc là, on a quelqu'un qui va attribuer des émotions à un expérienceur en interaction. Donc, toujours lié au cadre de l'émotion, il va bien sûr associer les émotions et la situation, savoir si l'émotion est dans la situation, elle est hors de la situation, et donc pour lui, elle est dans la situation. Elle est liée à la situation donnée, sous une certaine description structurée par une certaine perception mobilisant des savoirs, des valeurs, des intérêts de l'individu, de l'expérienceur. Il prend l'exemple, dans le métro, la même personne dans le métro qui peut être perçue et décrite comme un terroriste potentiel ou comme une personne dans la détresse. Dans le premier cas, l'émotion associée va être de la peur. Dans le second cas, ça va être de la compassion. Mais ça va être selon la perception de l'individu qui va émettre une émotion selon la situation, comment il l'interprète. Voilà pour résumer très 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 rapidement une partie de ses travaux sur l'émotion. Il y en a beaucoup plus, bien sûr. Et comme pour Cosnier, je vous ai mis le lien pour aller voir l'ensemble de ses publications qu'il a mis aussi à disposition sur le site du laboratoire, avec de nombreuses références libres de téléchargement. Il me reste 5 minutes, et c'est très bien pour vous parler encore d'autres travaux sur les émotions. J'en ai parlé rapidement sur les émotions argumentées dans les médias. Donc là, on change, on sort pas totalement des interactions sociales. C'est un ouvrage qui a été publié par Ida Ekmat, Raphaël Micheli et Alain Rabartel, avec un certain nombre de chapitres que je vous ai listés encore ici, qui associent des travaux sur l'oral, mais sur l'écrit aussi. Vous voyez que, par exemple, il y a des travaux qui sont faits sur les noms de peur dans la presse, ou stupéfié et jalousé dans les séquences textuelles journalistiques, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait d'un point de vue lexical, linguistique, sur ces émotions-là dans les médias, donc dans les médias télévisuels ou dans les médias papier. Pour aller plus loin, je vous ai listé d'autres travaux qui sont faits, parce que voilà, on s'est partagé le temps en deux, donc on n'a vraiment pas le temps de vous détailler tout. Il y a d'autres travaux, j'ai pas eu le temps d'évoquer tous les auteurs, et il y en a vraiment beaucoup d'autres qui travaillent en France et dans le monde sur les émotions en interaction, d'un point de vue sur le langage lexical. Donc je vous ai mis une petite sélection qui mérite d'être complétée, bien sûr, de travaux qui sont faits en France. Donc on a un ouvrage qui a été fait par Jean-Marc Coletta et Anna Tcherkassov en 2003 sur les émotions d'un point de vue cognition, langage et développement. Un article dans les milieux institutionnels, dans les interactions institutionnelles, le travail sur le jugement et des émotions par Velkovska et Zwinar. Un numéro de revue de langue française sur l'expression verbale des émotions. Et notamment un travail qui a été fait par Didier Bottino, qui est au laboratoire ICAR, qui a fait un travail sur les oups et les émotimos, donc la notion d'émotimos, les petits mots des émotions, dans l'interaction. Un autre ouvrage sur les émotions dans le discours, modèle d'analyse perspective empirique de Raphaël Micheli, et apparaître un travail de Virginie André et collaborateurs sur les projections, interactions et émotions, dont un chapitre d'ouvrage de Christian Plantin dedans.
Enfin, vous avez toute la littérature anglo-saxonne que je n'ai pas du tout évoquée ici sur les émotions d'un point de vue analyse conversationnelle notamment. Et voilà, en 45 minutes, on n'a pas le temps de développer ça. Je vous ai sorti deux références au moins d'ouvrages, enfin un ouvrage sur les émotions en interaction et un chapitre d'ouvrage sur les émotions. Et je vous ai mis un lien sur une base de données bibliographique en analyse conversationnelle où de 86 à 2019, on peut retrouver 103 références bibliographiques sur, avec le terme, le mot-clé émotion, d'un point de vue vraiment interaction sociale, orale, comme on a pu le montrer aujourd'hui. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et s'il y a... C'est le temps des questions, si vous le souhaitez. C'était très dense, très rapide, mais on essaye de donner au plus d'informations possibles en si peu de temps, sachant que le sujet est très très vaste. Et on a proposé avec Chris que si vous souhaitiez, on pouvait faire un petit temps de questions maintenant, parce que c'est frais dans votre tête. Et après, Chris présentera sa partie. Bonjour, merci. Bonsoir, merci beaucoup de votre intervention. J'ai trois questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La première, il s'agit de la différence entre les hommes et les femmes. J'ai vu une expérience, alors c'était sur Arte à la télévision, donc je ne sais pas sa valeur scientifique. En fait, des acteurs parlaient dans des télévisions en elfique, mais exprimaient beaucoup d'émotions. Et donc, ils analysaient la réaction, enfin, si les femmes, les personnes qui regardaient ces acteurs arrivaient à percevoir de quelles émotions il s'agissait. Mm-hmm. Et apparemment, les femmes étaient beaucoup plus aptes, sans comprendre la langue, à percevoir ces émotions et moins les hommes. Voilà. Ça, c'était ma première question. Est-ce que ça se vérifie ? Ma deuxième question, est-ce qu'on peut... on parle beaucoup de gestion des émotions. Est-ce que les cabinets de psychanalystes est-ce que les psychanalystes sont les docteurs de la gestion des émotions ? Et j'ai une troisième question qui concerne les émoticônes. Est-ce que c'est de l'écrit ou du gestuel, les émoticônes, dans les analyses qui sont faites aujourd'hui ? Merci. Alors, pour la première question sur la différence de perception des émotions entre les femmes et les hommes, je n'ai pas en tête de travaux faits sur la question de genre. Je ne sais pas du tout. Je sais que ça a été fait selon des populations, mais entre hommes et femmes, vraiment, je n'ai pas d'idée. On pourrait regarder et après, vous avez nos contacts s'il y a besoin pour que je vous envoie, mais il faudrait que je regarde plus en détail, mais là comme ça, dans les travaux que j'ai regardés, mais peut-être que dans un point de vue conversationnel, il y a des choses qui ont été faites, mais il faudrait que j'aille voir. Sur la deuxième question, si donc dans les cabinets de psychologie, seulement les docteurs seraient... Les psychologues sont des docteurs de... Pas simple comme question. Moi, je dirais qu'il n'y a pas que les psychologues. D'un point de vue interaction et interaction sociale, on est tous régulateurs de nos émotions, finalement. Donc, ça ne serait pas que pour eux qui seraient... Ouais. Pour gérer leurs émotions, oui. Ouais. Et la troisième, émoticône, si c'est écrit ou geste, si je ne dis pas de bêtises, mais tu me corrigeras si je me trompe, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt de l'écrit, mais de l'écrit iconique, donc sémiotique, donc c'est pas vraiment geste, pour le coup. Ça interprète une émotion, ça interprète un... Ça peut interpréter un geste, mais la source reste graphique et iconique. Donc, je ne le mettrai pas dans la catégorie des gestes. Vas-y.
Bonjour. Donc, ce n'est pas pour corriger, mais c'est pour ajouter un élément de réponse. Si cette dernière question vous intéresse, je peux vous pointer vers les travaux de Pierre Halte, H-A-L-T-E, qui a travaillé sur les émoticons. Voilà, donc vous pouvez trouver ces travaux sur l'Internet. Je pense que quand même les deux premières questions aussi, ça dépasse un peu nos champs de compétences aussi. Mais si je répondrais peut-être sur le deuxième, comme nous tous, en fait, c'est un peu dans nos milieux socio-affectifs avec nos parents, avec nos entourages, qu'on apprend différemment ou mal ou bien à gérer nos émotions. Après, je pense pas qu'il y a, vous me direz, on peut en discuter, est-ce qu'il y a vraiment un endroit attitré dans la société qui s'occupe des émotions avec une approche thérapeutique? C'est pas très, très évident. Et pour compléter du coup la réponse, j'ai eu le temps, parce que je me souvenais que je l'avais noté, vous avez l'article de Michel Marcoccia sur les smileys, justement, une représentation iconique des émotions dans la communication médiée par ordinateur. Ça pourrait donner des éléments de réponse, comment lui, il voit les émoticônes sur, d'un point de vue gestuel ou écrit, tout simplement. Oui. Je pense que, je ne suis pas spécialiste du domaine, bien sûr, mais je pense que les cabinets de communication... nécessairement dans leur formation sont contraints, obligés de prendre en compte les émotions et d'essayer de les gérer et de donner certaines recommandations aux gens qui suivent ces formations. J'en ai suivi pas mal dans le domaine de la communication et c'était très clair, c'était un point important du sujet, je pense. Ça, c'est un commentaire. Et puis, autrement, j'ai une question. Il est clair que dans la communication orale, on peut constater de très grandes variations dans la gestuelle selon les peuples. Je prends deux exemples extrêmes. Si vous vous écoutez parler en italien, vous posez vraiment la question de savoir si c'est la gestuelle qui accompagne la parole ou si c'est la parole qui accompagne la gestuelle. Et le cas extrême inverse, si vous prenez un anglais, l'anglais va attacher toute son attention et son énergie au phrasé, à la parole, à l'intonation, et vous verrez très peu de gestuelle. Est-ce qu'on peut expliquer ces différences importantes selon les peuples dans l'importance de la gestuelle par rapport à la parole? On sort un peu des émotions. Enfin non, on sort pas des émotions, mais on est plus sur le travail sur la gestuelle en interaction. Je saurais pas dire là comme ça, j'ai pas en tête actuellement des choses qui seraient très significatives. C'est juste de souligner les différences culturelles. Je renvoie aussi à donc le langage, c'est un débat de est-ce que nous avons tout dans la tête ou est-ce que en fait, quand on apprend une langue, on l'apprend comment, mais on l'apprend en interaction. Et donc, on ne peut pas apprendre. Les bébés n'apprennent pas de langue que si ils sont en interaction avec leur entourage. Et donc, quelle est cette interaction? Elle est comme ceci chez les Italiens. Elle est comme autrement chez les Anglais. Les cultures, en fait, se reproduisent à partir de ces interactions menées avec leurs tout-petits. Donc, je sais pas si ça vaut une explication à ce que vous cherchez autre chose, une interprétation de comment ça se passe, mais en fait, la langue s'apprend dans l'interaction. En fait, ça, c'est la base de nos travaux à ICAR, comme on s'appelle interaction, corpus, apprentissage et représentation. Nous sommes ce qu'on appelle des fonctionnalistes. Donc, on est plutôt, on peut dire qu'on est anti-chomskien, je l'assume, puisqu'on part du principe que
que la langue s'apprend en interaction. Voilà. Et on prête moins attention à ces représentations de cerveau à l'existence, à la naissance. Ce qu'on étudie, notre matériel empirique, c'est vraiment comment ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre des extraits, des transcriptions. Notre matériel empirique, ben, ce sont des extraits audiovisuels. C'est de la vie, quoi, en fait. Ah, oui. Pourtant, par rapport à ce que vous aviez dit sur les travaux de Costier au départ, vous aviez dit que la gestuelle était plutôt le fait, à ce moment-là, du locuteur que de celui qui entendait. Ça veut dire que il n'est pas dans l'interaction, puisque quelque part... Donc, ça veut dire que sa gestuelle, c'est un élément qui le conforte, finalement, dans son sentiment, dans ses émotions, ou c'est quelque chose qui participe à le contrôler. En quoi ça lui sert, la gestuelle, à ce moment-là, si ce n'est pas un élément de communication avec l'autre? C'est un élément de communication par rapport à l'interlocuteur. Ça vient ajouter du sens à ce qu'il est en train de dire dans l'interaction. Donc, mais c'est pour se convaincre soi-même à ce moment-là que... Parce que pourquoi vous dites que c'est plus le locuteur que l'autre pour qui ça a de l'importance? Oui. Par exemple, si je suis... Donc, nous, on est en interaction. Ouais. Et je suis en train de... Tiens, je cherche... quel est le mot que je vais... Comment je vais vous répondre? Oui. Donc là, quelque part, on parle des regards aussi. Donc, souvent, on dit, on monte les yeux à gauche, en haut, et je cherche mes mots. Donc, c'est quelque chose qui m'aide, moi, dans l'interaction. Et on a aussi des gestes comme ça où... je ne sais pas ce que... Voilà, j'essaie de trouver, en fait. Et donc, je m'aide, moi, mais on est en interaction. Oui, et d'accord. Je m'aide pour pouvoir discuter avec vous. Et en même temps, le geste qu'elle est en train de faire, ça l'aide elle, mais ça met en attente oui, vous aussi. Pour montrer qu'elle est en train de chercher. Donc, il est analysé par vous pour montrer ce temps de recherche. Même, voilà, c'est pour le locuteur, mais en interprétation avec l'interlocuteur. Voilà, toujours. Du coup, je me permets de garder la parole parce que, enfin, en français, comme on fait alors qu'on ne dit rien, donc on garde la parole pendant ce temps-là et l'autre, a priori, ne le prend pas. D'accord. Bon, écoutez, on va passer à la deuxième conférencière. Merci. Je ne sais pas, ça va? Je parle bien dans le micro? OK. Donc, bonsoir à nouveau. Donc, moi, c'est Christine Lund. J'ai choisi de vous présenter, en fait, plutôt un cas d'étude. C'est sur comment on va mesurer l'émotion pendant le discours. Et donc, je vais vous pointer, en fait, ce qu'on appelle des verrous théoriques, analytiques et technologiques. Voilà, donc je vais démarrer peut-être en fait par un petit un background pour vous parler, pour vous présenter en fait d'où est-ce que je parle. Voilà, c'est important. Isabelle avait parlé du fait que je suis en sciences cognitives. C'est vrai, ma thèse était en sciences cognitives, mais j'ai vraiment un parcours interdisciplinaire. J'ai démarré en informatique, qui m'a permis de rentrer au CNRS dans un labo de physique de particules et de haute énergie à Paris 6. Et j'ai continué mes études en intelligence artificielle, et qui m'a permis après de déménager sur Lyon et intégrer ce labo de sciences de langage, mais toujours avec une optique un peu sciences cognitives, comme j'ai fait une thèse sur un modèle analytique de l'explication. Et j'ai terminé avec une HDR en sciences de l'éducation. Et aujourd'hui, comme avait dit Isabelle, donc nous sommes dans le laboratoire ICAR. De 2007 à 2010, j'étais la directrice adjointe. Isabelle ne l'a pas dit, elle sera la directrice adjointe aussi à partir de janvier 2000. Et à travers ce parcours aussi, j'ai créé une entreprise
sur la personnalisation du contenu multimédia. Et aujourd'hui, je suis la directrice du laboratoire d'excellence Aslan, qui travaille sur la complexité du langage. Donc là, je vous donnerai vraiment un exemple aujourd'hui de ce que ça peut être, la complexité du langage. Et c'est aussi un milieu très interdisciplinaire avec non seulement le langage, mais l'éducation, les neurosciences et l'informatique. Alors, le plan de cet exposé ce soir, je vous donnerai quelques visions disciplinaires sur l'émotion pour vous permettre après de voir qu'en fait, c'est notre premier verrou théorique. Et je vous dirai pourquoi moi j'ai envie de mesurer l'émotion. Donc peut-être vous pouvez en fait, ça serait un exercice intéressant pour vous pendant que vous m'écoutez, pourquoi vous voulez vous, si c'est le cas, mesurer l'émotion. Pourquoi faire? Moi je m'intéresse au rôle de l'émotion dans la co-construction des connaissances et dans les apprentissages. Donc quel rôle joue l'émotion là-dedans? Je vous parlerai en fait de la capture des données, de leur analyse et de la manipulation comme c'est important pour nous. Je vous montrerai en fait trois représentations de données sur l'émotion ou de l'émotion à des échelles T, donc du temps, différentes. Ce qui nous amènerait à des verrous méthodologiques et technologiques et je terminerai par des perspectives de recherche future. Alors, là, je vais reprendre quelque part un peu ce que j'avais dit. Je vais regarder le temps aussi. Que j'avais dit Isabelle, là, sur la linguistique interactionnelle. Donc là, l'émotion est un phénomène microsocial. On est vraiment sur des petites choses, comme vous avez vu des transcriptions. Donc, c'est apparent dans le langage et dans l'action où ces derniers, mais aussi l'émotion, sont définis et gérés par les participants de manière collaborative. Donc, on s'intéresse à comment font les gens, en fait, quand ils sont en interaction. Par contre, en psychologie, donc on l'avait vu aussi, les émotions ou l'affect, et je parlerai aussi du vocabulaire, comme c'est important, on a trois composantes principales, donc ça, on revient sur Cosnier. On a un feeling psychologique, donc c'est la composante expérientielle. On a une composante comportementale et expressive. Mais on a aussi, on le sait, quand on a on vit des émotions, on a des réactions corporelles et physiologiques associées. On ne le nie pas, mais simplement nous, on n'est pas là-dessus en linguistique interactionnelle. Donc je dis que... Isabelle disait que j'allais parler plutôt du côté des sciences cognitives, mais je vais vraiment vous donner un aperçu, en fait, de à la fois sciences cognitives et linguistique interactionnelle, en fait. Donc, si on revient un peu sur le vocabulaire disciplinaire toujours de Plantin, la passion, quand on parle de ça, renvoie à la philo, à la religion, à la morale. L'affect et l'émotion, on va le retrouver en psycho. Le pathos renvoie aux rhétoriques de l'art, le sentiment vers certaines écoles philosophiques, pour le coup aussi, l'humeur renvoie vers la médecine, et on parle des termes d'émotion plutôt en linguistique. Donc on sait déjà là qu'on ne peut pas passionner pour la tristesse, on ne se passionne pas pour la tristesse, et on n'a pas... je ne sais pas, s'il y a une situation qui évoque la colère, ce n'est pas émouvante, la situation. Donc, vous voyez qu'enfin, quand on fait un mixing de ces termes, on voit bien qu'on ne peut pas utiliser les uns avec les autres de manière complètement comme on veut. Et ça définit des frontières disciplinaires qui sont difficiles à franchir, pour le coup. Alors, donc ça, c'est notre premier verrou, du coup, théorique. Comment fait-on? Alors, on va voir dans le reste, dans la suite, si on a une réponse. Donc déjà, alors, les émotions, pourquoi faire? Nous, quels sont nos objectifs analytiques? Là, j'ai pris, je ne sais pas si c'est très clair, mais mon objet, c'est censé avoir des facettes différentes. Donc, mon objet analytique... à des facettes multiples. Comment je vais l'aborder? Comment je vais le prendre en compte, l'émotion?
j'ai des présupposés épistémologiques. Donc, je vais penser que le monde est comme ceci, que la notion de la preuve, ça se fait comme cela et pas comme les autres. Enfin, voilà. J'ai des présupposés et parfois, en fait, les chercheurs ne les explicitent pas. Mais selon, en fait, non, la façon dont je vais aborder mon objet, je vais illuminer qu'une partie de mon objet. Voilà, parce que je vais avoir un regard. Donc, comme tout à l'heure, je disais, on va pas s'occuper de la physiologie des gens. On va juste regarder sur l'interaction et comment ça se co-construit, en fait, de manière collaborative. Donc, du coup, on est en train d'illuminer qu'une partie de notre objet. Donc, c'est l'intérêt de ces travaux interdisciplinaires, du coup. Voilà, et donc je peux dire ça autrement en disant qu'intégrer des approches en mettant des faisceaux sur différents aspects de notre objet, ça fait une construction conceptuelle de l'émotion, qui est notre objet d'étude, qui est plus étendu, plus, enfin, on comprend plus de choses. Enfin, c'est ça le défi. Alors, pourquoi mesurer l'émotion? Donc, je reviens un peu plus en détail sur la co-construction des connaissances et sur l'apprentissage. Donc, on est là au croisement de l'étude de l'argumentation. On est en linguistique interactionnelle, mais on est aussi dans la recherche de computer-supported collaborative learning. Donc, c'est un champ où on s'intéresse à l'apprentissage, mais qui est aidé par de la technologie. Les questions qu'on va poser: quelles sont les fonctions sociales et cognitives de l'émotion dans l'argumentation? Je note quelques références. Comment l'émotion intervient dans une situation d'apprentissage? Et devrait-on, en fait, soutenir la conscientisation de l'émotion? Ça, c'est intéressant parce qu'on a ce qu'on appelle en anglais des « awareness tools ». Donc, du coup, on a traduit ça un peu comme des outils de conscientisation. Est-ce que c'est toujours bien de faire voir aux autres les émotions que vous êtes en train de vivre dans des situations? Je vous pose la question, c'est à moi à vous poser des questions, du coup. Donc, vous me direz après s'il y en a ou il n'y en a pas. Enfin, voilà, dans quel cas c'est bien ou pas bien. Donc là, je passe à la capture et l'analyse des données. C'est assez habituel ou peut-être évident, mais c'est basé sur les travaux d'un de mes doctorants, Dyke, qui était un étudiant en informatique. Mais en fait, il a créé un outil pour les chercheurs qui s'intéressaient à analyser les interactions. Donc, du coup, il était aussi déjà très interdisciplinaire. Et là, en fait, ce qu'il a proposé, c'est qu'on a une question de recherche. Donc, on va capturer des données. Après, on les met dans un pool de données. On va interpréter nos données. Et si on a terminé, évidemment, on peut répondre à notre question de recherche. Mais souvent, on n'a pas terminé. Et en fait, il faut boucler. Donc, on va créer un artefact nouveau qu'on va mettre dans notre pool de données et on va redémarrer, interpréter, est-ce qu'on peut répondre, oui, non, on redémarre ou on répond. Donc du coup, là, on a une relation constituante micro-macro pour l'émotion, comment on va faire dans cette situation. Et donc, c'est pour ça que je vais vous montrer, enfin, on a bouclé, peut-être je l'ai dit là, voilà, on a bouclé 3 fois en fait, et on va vous montrer 3 représentations de l'émotion qui partaient du micro allant vers le macro, enfin, je vous ai dit, à différentes échelles T de temps. Et en fait, c'est cet article que je vous explique aujourd'hui, que vous pouvez trouver publié dans The Journal of Learning Analytics avec notre collègue Schaefer qui est aux États-Unis à l'Université de Wisconsin. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'on a bouclé à travers ces différentes représentations de l'émotion pour essayer de comprendre. Donc, quel est notre corpus? Notre corpus, enfin, c'est notre donnée audiovisuelle pour le coup.
on a pris un récit de l'émotion vécue. C'est une situation écologique, donc ça veut juste dire que c'est quelque chose qui s'est passé dans la nature. On ne l'a pas provoqué. C'est une conversation que de 3 minutes entre deux étudiants, Jean et Marie. Jean, il raconte l'expérience d'une de ses enseignantes qui rend un devoir en le critiquant devant ses pairs. Et il y a eu, en fait, donc cette transcription, enfin, cette conversation de 3 minutes a été analysée par un ensemble de linguistes, peut-être une quinzaine, une vingtaine, et ils se sont mis d'accord que c'est divisé entre 4 parties émotionnelles. D'abord, le récit passe par, enfin, véhicule la peur, après la culpabilité de celui qui raconte, la honte et la fierté. Donc là, on a en fait une analyse macro de cette interaction. Et nous, on va s'intéresser à cette analyse micro que avait montré Isabelle. Donc on va, je switch en anglais, observe the emotional character of verbal sequences, the emotional character, and to analyze how this character emerges or declines through verbal, non-verbal, and interactional mechanisms. Donc on est vraiment dans le petit micro là, et donc c'est comme ça. Alors du coup, je pense que j'ai pas, c'est après que qu'on va écouter l'extrait. On va pas l'écouter dans un premier temps, mais je vais donc vous montrer. C'est J normalement qui fait le récit, mais c'est M qui fait un pré-récit qui amènera J à raconter la vraie histoire. Mais là déjà c'est M qui va parler. Alors, vous savez lire là. Si, avec ma prof, c'est possible, hein, parce que je sais qu'elle nous attend avec une batte de baseball derrière la porte le jour de la rentrée. Hein. Ouh là là, c'est tout à fait possible. Une interro qui était censée être facile, la moyenne de la classe 7. Donc là, vous voyez, donc je vous ferai écouter tout à l'heure. Mais les types de choses qu'on peut remarquer au niveau très micro en analyse donc linguistique interactionnelle, c'est l'allongement vocalique. Donc là, je ne vous ai pas fait tout ça parce qu'il vaut mieux écouter. Exclamation, et on peut avoir à la fois un allongement vocalique et l'exclamation. Donc du coup, ce sont un peu des petits trucs qu'on peut voir qui évoqueraient l'émotion. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez voir. Donc si on fait un zoom sur l'analyse micro, c'est le type de choses, la prosodie, donc c'est la tonalité, ça monte, ça descend, l'interactivité, donc on parlait des chevauchements des paroles tout à l'heure, on a aussi des rires, on a des soupirs, on met de l'emphase sur des choses quand on parle, bon, des choses comme ça. Voilà, il y a plein de différentes choses qu'on peut repérer qui évoqueraient l'émotion dans le récit. Et ce qui est intéressant, là, justement, c'est que, bon, donc vous avez vu que les linguistes avaient fait déjà une analyse macro en disant qu'il y a 4 phases. Mais comment fait-on quand on analyse une transcription et qu'on lit, enfin, comment on peut se mettre de la distance et enlever en fait notre analyse complètement naturelle sur l'émotion, sur le lexique et tout ça. Et donc l'approche des linguistes, ce qu'ils ont fait, c'est que chacun a pris qu'une ligne et ils ont fait donc toutes les 3 minutes en se concentrant par exemple que sur les chevauchements. Donc du coup ils ont noté que les chevauchements ou ils ont noté que les tours de parole ou que les exagérations dans les mots, enfin des choses, voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est une façon de mettre de la distance. Et une fois que les 3 minutes ont été codées avec toutes ces choses, c'est Mathieu Quignard, donc le co-auteur et collègue à ICAR, qui, basé sur les travaux de Gregory Dyke, mon doctorant de l'époque de 2009. Donc, vous voyez, en fait, là, je n'ai pas un pointeur, là, non. Mais en haut à gauche, donc, c'est une vision temporelle de l'interaction. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous cochez
les allongements de vocaliques, les chevauchements, les souffles, les rires. Et si vous les cochez, ces indicateurs apparaissent sur la ligne temporelle, sur la représentation de cet extrait. Et en bas, en fait, vous, quand il y a des choses, parce que forcément, il va y avoir des choses en co-occurrence. Donc là, c'est là, en bas où vous voyez plein de choses qui sont en même temps. Donc c'est, ça fait la... Je cherche un nom pour cette graphique, mais enfin, les barres, les graphiques de histogramme. Merci. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire. Et on peut faire apparaître tout et juste faire apparaître qu'une chose, par exemple. Le problème, c'est que c'est quand même un peu compliqué à l'œil nu. Donc là, on avait nos phases, phase de la peur, phase de la fierté. On pouvait dire que ça démarre là, ça finit ici. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est y a-t-il des ensembles d'indicateurs micro qui caractérisent chaque phase? Est-ce qu'on peut, par exemple, pour la peur ou la fierté, les caractériser avec voilà, que des allongements vocaliques ou que des cris ou voilà? Comment est-ce que c'est possible? C'était notre pari pour essayer de voir ce que ça donnait. En fait, cet article, c'était vraiment vu comme une expérience, une validation de la méthode, quoi. Proof of concept. Voilà, je peux dire ça en anglais. Donc, du coup, on parle là-dessus, comment fait-on? On ne peut pas voir à l'œil nu. On ne peut pas voir, OK, la phase de la peur, c'est caractérisé par X, Y, Z, enfin, toutes ces choses-là. À l'œil nu, ce n'est pas possible. Donc, il a fallu avoir recours à une approche statistique, en fait. Et donc, ça, c'est l'approche de notre collègue à Wisconsin qui s'appelle Epistemic Network Analysis. Et là, ils viennent d'avoir une conférence de la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus. C'est la première conférence internationale et quelque part, on peut dire ça que c'est un oxymore, une contradiction en termes. Ils parlent de l'ethnographie quantitative. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est donner du sens du monde réel à une quantification qui est souvent des fois un peu trop centrée sur les données. Et au sens contraire aussi, c'est quantifier les choses qui sont souvent uniquement qualitatives. Bon. C'est beaucoup mieux dit si vous allez sur ces pages web. Il a sorti un livre aussi. Mais bon, pour vous expliquer, donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de cette méthode, mais ça nous permet de manière automatique de voir, donc par exemple, la phase de la peur qui est en rose et la phase de fierté en jaune. On voit que ces phases sont caractérisées par l'exclamation et la voix allongée, où la voix allongée est un haut débit de mots pour la fierté. Alors, on peut dire, bon, on est bien avancé, parce que ça veut dire quoi, en fait? Et donc là, c'est notre troisième représentation de l'émotion. On avait la deuxième, c'était la temporelle, et la première, c'était la transcription. Alors, on va revenir quand même sur la deuxième représentation parce que maintenant, on est capable de repérer où, dans notre temporalité, on peut trouver en fait ces co-occurrences d'indicateurs qui semblaient caractériser la phase. Donc là, on les repère. On ne pouvait pas les voir à l'œil nu, mais là, on les voit. Mais on n'a pas terminé parce que même là, qu'est-ce qu'on fait? On revient en fait sur la première représentation pour essayer de voir mais en quoi ça fait sens en fait d'avoir un allongement vocalique, exclamation, etc. Alors, je crois que je vais pouvoir écouter, c'est tout au début. Ça me fait penser à mon PNL. T'auras jamais 5. Ah si, avec ma prof c'est possible. Parce que je sais qu'elle nous attend avec une batte de baseball derrière la porte le jour de la rentrée. Hein. Ah là là. C'est tout à fait possible.
Une interro qui était censée être facile, la moyenne de la classe, 7. Ouais. Facile, hein. En plus, enfin, moi, tu vois... Elle a... Voilà. Donc, du coup, le travail ici, c'est de donner une interprétation. Alors là, je peux vous poser la question aussi. Je peux renvoyer l'interprétation envers vous. Je peux rappelez-vous que c'était un proof of concept, cette méthode de voir, de se balader entre trois représentations temporelles différentes de l'émotion et voir comment en fait on pouvait aborder cette question relation micro-macro. Alors, c'est pas très facile, mais je reviendrai dessus quand on parlera des verrous méthodologiques et technologiques, mais une façon de dire, c'est que là, pour le coup, c'est M qui fait le récit, c'est J qui écoute. On voit les exclamations et les allongements vocaliques, peut-être le plus vers le « ouais » qu'on entend à la fin, que c'est vraiment une sorte de d'écoute ou attention aiguë, en fait, pour ce récit. Et alors, est-ce que ça peut évoquer la peur ou pas? Ce qu'il faudrait faire, c'est voir l'ensemble, en fait, de il y en a quatre. Et là, je vous en montre qu'une seule, un seul extrait, et voir, en fait, qu'est-ce que ça donne dans leur ensemble, tous ces... Et après, ben, évidemment, c'est que ça n'en est que quatre, hein. Mais vous avez vu le boulot que ça représente déjà de faire les transcriptions, de prendre les analyses. Donc là, enfin, de faire les analyses, là, j'arrive un peu trop vite, peut-être, parce que j'arrive sur mes verrous méthodologiques et analytiques. Alors là, je ne sais pas si je vais arriver à manipuler ça. Ça me fait penser à mon PNL. Tu as un prof qui n'en a pas fait, enfin, il va nous latter. Je pense qu'on peut le dire comme ça. En même temps, c'est vrai que quand elle m'a envoyé le mail, il paraît qu'elle a cassé des gens, mais vraiment dur quand elle leur a dit c'est les corrections à faire. Et moi, elle a commencé le mail en lui disant bon, il est pas mal, votre poster pour un sujet compliqué, parce que, enfin, comment représenter la culture? Ouais. Donc, ouais, on a un ensemble d'allongements vocaliques. En lui disant bon, il est pas mal votre poster pour un sujet compliqué, parce qu'enfin, comment représenter la culture, mouais, et du coup elle commence à rire. Donc, alors, il faut savoir la suite aussi, mais là, ça nous met peut-être en attente de quelque chose qui va se passer. c'est une façon d'interpréter. Et du coup, il y a la prof qui va, du coup, elle démarre en disant que, OK, voilà, c'est bien, mais après, voilà, vient la critique. Alors, donc ça nous amène vers les verrous méthodologiques et technologiques qui ne sont pas faciles du tout. Mais nous sommes, voilà, dans ces approches linguistiques et interactionnelles, mais en essayant de monter en échelle, parce que c'est le problème avec... C'est le problème avec la linguistique interactionnelle. On n'est que sur les choses très, très micro. Et c'est très difficile, après, de faire monter ce travail analytique sur des gros, gros corpus. Ça prend juste trop de temps. Donc, forcément, en fait, on se pose la question de l'automatisation. Alors, le corpus est petit. Donc, on le dit tout de suite, hein, mais comme c'est un proof of concept, donc c'est juste pour voir, enfin, comment on peut manier ces différentes manipulations entre les échelles de temps. Donc, forcément, on a ce qu'on appelle un overfitted model, vous me direz en français. Donc, il faut faire d'autres analyses sur plusieurs corpus afin de mieux comprendre la relation entre ces indicateurs micro que vous avez vus, l'allongement vocalique et tout ça, et la caractérisation macro, qui, pour le coup, était fear, guilt, shame and pride. Là, je l'ai dit, technologique, le verrou technologique, les analyses micro sont très chronophages. Mais comment peut-on faire ça de manière automatique, hein, toutes ces analyses-là? En
enfin, avec la prosodie, avec, enfin, il faut vraiment être ancré dans la situation et c'est compliqué. Donc on peut faire des keywords, c'est pas difficile, les mots-clés, mais en termes de ces phénomènes multimodaux, le chevauchement, la prosodie, tout ça, enfin, comment fait-on de manière automatique? Allez, après, en termes de perspective, donc là, vous avez vu qu'on était au niveau de l'émotion, enfin, pour les approches micro-analytiques, mais aussi en termes de différentes phases, c'était une analyse macro, mais on peut aussi, et c'est des travaux en cours, on fait des analyses du même type de linguistique interactionnelle très micro, mais les phases, du coup, ce sont des phases pédagogiques dans une séquence pédagogique en classe. Du coup, c'est des étudiants dans un lycée agricole qui vont devenir des ingénieurs. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de voir si on peut pointer leur engagement ou leur décrochage dans différentes phases pédagogiques. Donc, du coup, on est sur les mêmes analyses micro-analytiques, mais on est sur des phases, du coup, pas analysées comme portant une émotion, mais une phase pédagogique. Donc, c'est pour vous donner une idée aussi de comment on fait évoluer cette méthode en termes de proof of concept. Mais je reviens vers vous en disant aussi pourquoi vous analyserez l'interaction émotionnelle et dans quel objectif. Donc ici, voilà, comme je l'ai dit, on essaie de trouver la motivation, la dynamique du groupe, tout en intégrant d'autres perspectives disciplinaires, notamment la didactique et la vision de l'enseignant aussi, pour le coup. Et donc, je pense que voilà, j'arrive à mes références où j'ai peut-être 3-4 slides de référence. Et on a pas mal de temps pour des questions. Du coup, je vous remercie. À vous. Où est-ce que je me mets? Il y a des questions dans la salle? Non, j'arrive. Alors, est-ce que vous avez trouvé la solution pour automatiser l'analyse chevauchement, enfin tout ce qui n'est pas du langage en fait? Enfin, tout ce qui est, enfin pardon, les chevauchements, la prosodie. La réponse rapide, c'est non. mais c'est vraiment un champ qui survole, enfin qui c'est pas le mot que je cherche, enfin qui est en dans lequel il y a voilà, il y a beaucoup de travaux qui démarrent en fait. Donc les analyses multimodaux des interactions soutenues par les technologies ou pas, on essaie, enfin il y a la reconnaissance de la parole qui marche de mieux en mieux. Il y a donc le speech to text, donc mais là on a la transcription, mais ce qu'on n'a pas, c'est la prosodie du coup. Et on a tous entendu ces voix de robots c'est de mieux en mieux, hein, quand même, hein. On peut trouver des choses sur internet où les gens se trompent, trompés par un robot avec qui ils sont en interaction et ils savent pas, parce que on introduit des temps de pause très naturels, mais ça c'est des choses qu'on peut mettre parce qu'on comprend de mieux en mieux les interactions, parce qu'on est capable, voilà, de très finement les décrire, donc on peut les reproduire dans une situation, mais c'est différent que de complètement prendre une vraie interaction dans toute sa complexité
et de la transcrire de manière totalement fidèle à ce niveau microanalytique et surtout de manière automatique. Donc là, on n'est pas arrivé encore. Et les champs applicatifs, parce que vous parliez de l'intelligence artificielle, vous parliez aussi du domaine de l'éducation. Donc concrètement, aujourd'hui, tous les travaux que vous menez, quels sont les champs applicatifs Je sais pas, j'ai un projet qui, il y en a beaucoup hein, dont on pourrait parler, mais là on commence à une collaboration autour de la robotique sociale. Donc là, comme vous avez peut-être pu constater, enfin, on est vraiment dans la capacité de décrire très très finement les interactions, les tours de parole, comment ça se fait que j'arrête mon tour de parole et je vous donne une ouverture ou vous m'interrompez, comment ça se passe. Et donc on sait détailler tout ça, les tours de parole, on le connaît très très bien. Mais les robots sont incapables de se trouver dans une interaction de manière naturelle. En fait, et déjà, ils ne comprennent pas qu'une conversation pourrait être multipartie. Donc pour eux, quand ils analysent dans le modèle qu'ils ont à l'intérieur, programmé par des informaticiens, ils prennent toute parole en dehors comme émanant d'une seule personne. Alors que c'est complètement crucial de savoir, quand on gère une conversation, que ce n'est pas la personne A, mais c'est la personne B qui a parlé. Et voilà. Donc ça, on peut... Ce qu'on tente de faire, c'est voir dans quelle manière tout ce qu'on comprend de la conversation qu'on est capable de décrire très finement, dans quelle mesure c'est modélisable. Du coup, c'est transférable vers un modèle et implémentable dans un programme informatique. Après, l'impact sociétal, les robots, là où ils sont, ça peut être... il faudrait qu'on choisisse en fait notre terrain. Ça peut être dans un office de tourisme, tout bêtement, pour indiquer, pour dire aux gens où est-ce qu'ils vont, des choses comme ça, aussi bien que ça peut être peut-être ça fait partie d'un événement, ou même dans un je n'oserais pas dire l'hôpital, mais il y a plein de choix le contexte va fortement avoir un impact sur la façon dont le modèle sera aussi implémenté. Et pour compléter la réponse, dans d'autres champs d'application, si vous regarderez sur Internet, si vous cherchez linguistique appliquée, vous aurez vraiment une liste très vaste d'autres champs d'application. Et moi, pour compléter, par exemple, j'ai des projets dans le domaine de la santé. Je vous ai montré rapidement un extrait dans la situation des relèves infirmiers. Et en fait, c'est en soins psychiatriques. Donc, on a enregistré des relèves infirmiers. C'est un travail en cours où il y a tout un travail, comme disait Chris, de transcription, de retranscription, mais de codage en plus, où on est en train de coder des moments émotionnels dans ces relèves entre soignants pour essayer d'en faire des analyses statistiques et qualitatives ensuite. Mais on passe par cette phase de codage qui est très longue, qu'on n'a pas terminée, pour essayer de voir ces moments de d'émulation émotionnelle qui partagent à l'oral et qu'ils ne vont pas écrire dans les observations écrites de soignants. Il y a d'autres champs aussi, on a d'autres projets par exemple au laboratoire où c'est toujours dans le domaine de la santé et de la de la psychosociologie avec des analyses d'interactions de personnes migrantes qui font tout un parcours de soins quand ils arrivent à l'hôpital et à l'assistance sociale. Et donc il y a des enregistrements qui sont faits, il y a un interprète qui est là, donc le rôle de l'interprète dans la médiation migrant professionnel de santé. Et il y a des moments de récit d'émotions aussi qui sont importants, comment ils sont interprétés par le médiateur, quels outils ils vont utiliser quand il n'y a pas d'interprète et qu'ils vont utiliser Google Traduction par exemple. Enfin voilà, donc nous on vient enregistrer, capter ces moments-là, transcrire ces moments-là pour faire des analyses d'interaction fines sur des moments d'échange, et les champs d'application sont très très vastes. Hein.
Oui, surtout dans le domaine de la formation, du coup, pour les soignants ou oui. pour d'autres acteurs de la société. On travaille beaucoup avec les orthophonistes, avec dans l'acquisition de la langue. Donc voilà, ça a différents niveaux. J'en oublie vraiment beaucoup. Mais pour quelques exemples. Et peut-être juste, je suis là, dans la foulée de cette question, sur le plan méthodologique, comment est-ce que vous sélectionnez votre objet d'étude ? Est-ce que les personnes... Et donc ça, c'est la première question. Comment est-ce que vous sélectionnez les étudiants là, qui discutent ? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que ces personnes sont au courant qu'ils sont enregistrés ? J'imagine que la réponse est non, parce que ça biaiserait le... Mais pardon ? Voilà, je suis intéressée par... Si, ils sont au courant. Comme je l'ai dit, moi, dans ma présentation, on fait signer des autorisations. Ah oui, d'accord. De consentement éclairé, où ils savent... ils sont filmés, mais ils sont prévenus que ça sera anonymisé. Et même d'un point de vue éthique, ils signent avant la captation. Mais si, selon comment s'est passée l'interaction, s'ils refusent après l'activité donnée, qu'on utilise les données, on annule et on supprimera l'enregistrement. Mais est-ce que ça biaise pas du coup l'expérience, puisque j'imagine que quand on sait qu'on est enregistré, on n'a pas exactement les mêmes... En fait, on a souvent cette question, et comme nous, on n'enregistre pas seulement l'activité dès qu'elle commence, on met la caméra avant. En plus, on a des systèmes de caméras très discrètes. Nous, observateurs, on n'est pas là. On pose les caméras, on les lance, on s'en va. Et en fait, on les lance avant l'activité, on les enlève après l'activité donnée. Comme ça, quand ça commence, on a déjà le moment de début d'activité. Et en fait, ce qu'on a remarqué, parce que voilà, on a souvent cette question, c'est que les gens, ils sont engagés dans leur activité. Ils sont engagés dans leur action, dans leur interaction. Et ils en oublient la caméra. On a pas mal... On voudrait faire un article sur justement ces moments où, en fait, des fois, dans des interactions un peu mobiles, ils se mettent devant la caméra parce qu'ils ont oublié qu'elle était là. Donc finalement, non, vraiment, on a vu à travers de nombreuses et depuis des années que ça vient pas biaiser l'interaction, l'activité en soi, parce qu'ils sont engagés dans quelque chose et ils sont conduits par ça, en fait. Et si tu veux dire par rapport au choix des étudiants, par exemple, Je sais pas, il y aurait plusieurs choses à dire. C'est sûr que les enseignants, enfin, c'est compliqué hein, de filmer les élèves. Il faut avoir des autorisations du principal ou de l'établissement, des élèves eux-mêmes, les parents. Voilà. Mais comme dit Isabelle, c'est souvent, en fait, on a des autorisations, mais souvent, on est engagé avec l'enseignant en question quand il s'agit des classes, dans une recherche action, en fait. Et donc, l'enseignant est partenaire, partie prenante dans notre recherche. Et ça soulève, en fait, une question liée, mais sur un autre niveau. C'est que, en fait, qu'est-ce qui nous motive dans tout ça? En fait, on peut avoir des questions de recherche qui émanent de nos têtes, à nous, dans le labo, mais on a aussi de plus en plus, surtout grâce à la visibilité de notre laboratoire d'excellence Aslan sur la complexité du langage, on a de plus en plus des demandes venant de la société. En fait, des gens qui entendent parler de nous et qui viennent et qui nous posent des requêtes et des demandes. Là, on a quelqu'un elle s'appelle Audrey Mazur-Palandre qui s'occupe de la valorisation pour ce laboratoire d'excellence, et elle facilite ce travail entre le laboratoire et les acteurs sociétaux de tout type qui viendraient faire des demandes. Donc elle nous met en contact les gens pertinents avec les gens des associations. Ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être des entreprises, plein de demandes qui viennent de tout secteur de la société, en fait, et voilà. C'est oui. Aussi un autre élément de réponse. Pardon. Bonjour, merci. Oui, justement, j'avais une question sur ce point, c'est quel est le but, et vous venez de dévoiler un peu sans dire le but, mais en montrant la multiplicité des acteurs qui vous sollicitent. Donc les chercheurs cherchent, sont des scientifiques, mettent en place des moyens, voire des supports le cas échéant. Mais quel est le but
pour en faire quoi réellement, et qui décide, qui tranche, comment ça se répand? Vous pouvez évoquer un peu cette question? Si, si. Après, je donnerai peut-être la parole à Isabelle aussi. Mais donc, en tant que directrice du laboratoire d'excellence, ASLAN, c'est sûr que il a fallu, en fait, on vient de sortir un livre blanc sur ce sujet, en fait, hein, qui vient de sortir cet automne, où on détaille la manière dont on donne de la valeur sociétale à nos recherches. Puisque, et c'est souvent un peu une différence entre les sciences exactes et les sciences humaines et sociales, c'est que toujours on nous demande, ben alors combien de brevets avez-vous ? Ben on n'a pas de brevets souvent en sciences humaines et sociales, mais on peut vous détailler très dans plusieurs formes l'impact sociétal que nos recherches ont eu. Mais c'est pas pour autant diminuer en fait ou rentrer dans ce débat un peu stérile entre recherche fondamentale et recherche appliquée non plus, parce que on peut aussi faire de la recherche pour faire de la recherche pour pousser les frontières de la connaissance, et on peut toujours être que dans cette démarche là de manière valable pour on a eu cette discussion l'autre jour, on s'est dit mais est-ce que c'est pas aussi un impact sociétal de augmenter les connaissances, tout simplement, sans parler d'une formation qu'on peut proposer auprès des soignants à l'hôpital ou la dyslexie sur les bancs de la fac, comment les gérer, ou les migrants qui viennent et ont besoin des interprètes chez le médecin, ou des multiples façons dont les sciences du langage peuvent aider différentes personnes dans la société. Donc, voilà, c'est depuis 10 ans de travail, et on a été renouvelé pour 5 ans encore, où on a été capable de détailler toutes ces façons dont on pense avoir contribué. Et maintenant, on va poursuivre dans cette même voie en essayant d'augmenter la façon dont on donne de la valeur. Oui. Je voudrais partager deux réflexions avec vous à propos des robots. Je dirais que par construction et par définition, un robot n'a pas d'émotion, en tout cas aujourd'hui. Et pourtant, il est capable d'induire assez souvent des émotions chez l'humain. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez sidérant. Donc on peut se poser la question, pourquoi l'humain émet des émotions au contact d'une machine qui, elle, n'a pas d'émotion? Ça, c'est la première réflexion. Et puis le corollaire, c'est qu'il ne devrait pas être très difficile demain de construire des robots qui génèrent des émotions et qui, à ce moment-là, pourront interagir émotionnellement avec l'humain. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Si, la première question, c'est qu'on a... Bon, on n'a pas trop souvent expérience avec des robots, alors qu'on a de l'expérience avec d'autres êtres humains et des animaux, par exemple, le cas échéant. Donc, en fait, on prête, c'est de aidez-moi avec ce mot, oui, merci. C'est ça qu'on fait, en fait. Et donc, du coup, on prête des intentions alors qu'elles n'y sont pas, forcément, parce qu'on est en interaction. Et du coup, ça évoque des émotions chez nous, puisqu'on est, on est dans cette interaction qu'on connaît si bien. C'est pour ça qu'on est un peu heurté par ces réponses qui ne sont pas naturelles. Et la deuxième question, parce que dans tout ce qui est science fiction, tous les livres et les séries télévisées dans lesquelles on peut voir des robots qui ressemblent parfaitement aux êtres humains, on voit ça jouer. Et ça pose plein de problèmes éthiques aussi. Évidemment. Comment fait-on? Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est vraiment des vraies questions sur comment on va interagir humainement avec des non-humains. C'est des questions, mais qui ressemblent à des humains.
Et à partir de quel moment la ressemblance humaine suffit pour que ça, ça nous oblige d'avoir un comportement éthique? Mais ce qui était de la science-fiction, comme vous dites, il y a 15 ans, aujourd'hui, ce n'est presque plus de la science-fiction. C'est presque plus, oui. Bonjour. Moi, j'avais juste une question. En fait, votre discipline, elle a quel but? Qu'est-ce que vous recherchez, notamment pour, comme amélioration pour la, au niveau de la, la psychanalyse, notamment dans, ouais, dans le domaine psychiatrique? Qu'est-ce que votre discipline cherche à apporter, du coup, aux infirmiers dans des structures psychiatriques? Donc là, par rapport au projet qu'on mène sur, dans le service psychiatrique, c'est, et pour répondre aussi à une des questions précédentes, c'est vraiment c'est une demande qui est venue d'un infirmier d'un service. Pour essayer de réaliser cette étude, pour comparer en fait les relèves orales par rapport aux observations écrites qu'ils font sur les patients. Et ce qu'on apporte en plus, c'est vraiment une recherche-action menée avec les acteurs vraiment du terrain, dans le sens où on fait des retours avec eux et on construit aussi nos analyses, nos codages, nos pistes de recherche avec eux selon leurs besoins. Et le but de ce qu'on pourrait apporter... on ne va pas révolutionner, ce n'est pas à nous de révolutionner comment on va se gérer une relève infirmière, etc., comment vont se passer les observations écrites. C'est plus d'écrire finement tout ce qui peut se passer dans des relèves orales, tout ce qui va se dire à l'oral qui ne va pas s'écrire dans les observations patients écrites, et montrer la richesse, c'est ce qu'on est en train de voir finalement, montrer la richesse de ce qui se passe à l'oral, montrer qu'ils ont des temps de faire ils ont un temps donné pour faire ces relèves, il y en avait 4 par jour, et qui sont un peu, ils ne sont pas contraints, mais il y a un temps pour chaque relève, et on peut voir qu'ils passent beaucoup de temps pour certains patients, et que c'est d'une richesse importante. Donc nous, on montre ça en analysant tout le discours, le type de contenu qui vont être produits, et la durée passée par patient aussi, on va calculer ça, on va regarder ça finement, et pour justement aller dans le sens de, on ne supprime pas les relèves orales, par exemple. C'est montrer qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ces moments-là qu'il faut pas, on ne peut pas diminuer plus, parce que des fois, on remarque qu'ils peuvent passer sur certaines 30 secondes par patient, parce qu'ils ont 25 patients, donc 30 secondes, ce n'est pas énorme. Donc ça, on peut le voir après avoir fait cette analyse. Et donc, aller dans ce sens-là de garder ces relèves-là. Et en termes de formation, ce qui a été aussi dit dans la demande de l'infirmier, c'est qu'ils ne sont pas formés à l'école d'infirmiers pour gérer une relève, comment mener une relève. Donc, ils apprennent ça sur le coup, au moment des relèves, et aller dans le sens de peut-être formation, accompagnement de formation pour montrer comment on peut se gérer des relèves, montrer des moments plus ou moins problématiques, mais qui ne sont pas problématiques en soi, montrer comment ça se passe. Ce n'est pas que ça se passe bien ou pas bien, mais ça se passe comme ça, et montrer comment, d'une manière macro aussi, découper une relève dans sa séquence globale, et apporter ça en formation pour qu'ils soient formés finalement. Aussi comment faire des relèves écrites, parce qu'il y a une grande diversité. Donc ça peut être ça qu'on peut apporter et qu'on verra si on apporte à la fin du projet. Mais c'est... Alors après, d'un point de vue psychiatrique, nous on va rien dire de plus, hein. Après on peut voir qu'il y a des moments de relève où ils parlent beaucoup des traitements. Encore une fois, nous on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, si c'est trop ou pas assez, mais on dit juste qu'il y a une part qui est importante pour le traitement par rapport aux éléments somatiques du patient. Bon, c'est comme ça, nous on décrit des faits. On va être vraiment objectif sur la quantité peut-être, mais et montrer que si c'est dit à ce moment-là, si c'est partagé pendant les relèves, c'est que c'est important. Donc, à ne pas modifier en fait. Ouais, j'avais une question. La micro, toutes ces manifestations-là, est-ce qu'on peut en avoir la maîtrise ou est-ce que ça dévoile à ce moment-là l'authenticité de ce qu'on ressent? C'est-à-dire, est-ce que c'est effectivement quelque chose, dans l'exemple que vous venez de prendre, quelque chose qui est de la formation de l'infirmier vis-à-vis de son patient, ou est-ce que ça peut être quelque chose qui va dévoiler, par exemple, un mal-être de l'infirmier inconsciemment, ou qui ne veut pas effectivement dévoiler? Donc, est-ce qu'il y a cet élément-là? Il peut y avoir des moments comme ça où on repère des dévoilements de soi, mais on ne sera pas là pour dégager des prérequis, des choses de... Non, mais c'était pas tant les prérequis, c'était de se dire, est-ce qu'on peut jouer avec la micro, c'est-à-dire quelque part faire du théâtre,
ou quelque part maîtriser finalement ses émotions au niveau effectivement de cette expression de langage, ou est-ce qu'à un moment donné c'est quelque chose qui nous échappe et qui va dévoiler à ce moment-là, sur une analyse fine comme celle que vous faites, vraiment ce qu'on ressent? Ça me fait penser à la série télévisée Lie to Me. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, oui. Ouais. Donc, en fait, c'est basé sur les travaux de Ekman qu'on va critiquer quelque part ici, parce que dans nos approches à nous qui sont plutôt interactionnelles, alors que lui, c'est vraiment le visage et des micro-expressions, en fait, qui sont inconscients, justement. Et qui, en fait, donc dans cette série, il avait l'idée, c'était qu'on pouvait, voilà, être attrapé dans notre crime par parce que notre œil avait fait ça, et donc on utilisait, en fait, donc on pouvait pas les maîtriser, ça, au contraire, nous faisait coincer, en fait, dans cette optique. Je pense que peut-être, c'est la réponse normande. On peut maîtriser certaines choses et d'autres, on ne peut vraiment pas les maîtriser, ouais. En fait. Hein. Ces indicateurs micro-analytiques, il y en a certains vraiment qui nous échappent. Oui, mais donc ça veut dire que vis-à-vis de la situation professionnelle que vous avez rapportée là, effectivement, il peut y avoir peut-être parfois un usage qu'on pourrait faire de quelqu'un qui est en difficulté psychologique et qui pourrait être rendu par ça. Mais c'est plutôt, c'est pas vraiment de, enfin, il me semble, mais tu me diras ce que tu en penses, ou la salle, c'est pas autant que on veut changer notre comportement en tant que personne qui interagit avec, par exemple, des patients. C'est plutôt que on va comprendre à travers une analyse de ce que ces techniques peuvent mettre en valeur, de comment quelqu'un se sent et comment il est. Et donc du coup, puisqu'on aura mieux compris, on peut mieux agir. D'accord. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, ouais, on n'est pas là pour changer après une analyse de la personne, son comportement. Pas du tout. Juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure et en réponse à ce que vous venez de dire, si vous suivez des formations dans des secteurs de la communication auprès de professionnels, évidemment, où sont montés des exercices interactifs, je peux vous assurer qu'après 2 heures, les personnes en question connaîtront vos points faibles et passeront les 2 jours qui suivent à essayer de corriger ces points faibles. Ça, c'est absolument clair. Les professionnels de la communication savent parfaitement détecter vos points forts et vos points faibles, et vous ne pouvez pas cacher grand-chose. Bah, on n'est pas sur ce même longueur d'onde. Oui, 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 je sais bien. On est tout à fait d'accord. Enfin, on n'a rien à dire contre ça, il me semble. Oui, oui, je sais bien. C'est autre chose. Ouais. Je voulais simplement étayer ce que vous disiez. Dernière question ? Non ? Alors, il nous reste à vous remercier. La semaine prochaine, on est en vacances, donc on fait une petite pause sur les émotions. Et la semaine d'après, donc je crois que c'est le 7 novembre, on aura 2 intervenants de Vétagrossup qui nous parleront de l'évaluation des émotions chez les animaux. Voilà, donc rendez-vous le 7 novembre. Merci à vous.
Merci.
empathes,